Avant que la vidéo commence, j'ai deux trucs à vous dire. Première chose, c'est que quand vous rejoignez mon Discord, pour les gens qui ne savent pas utiliser Discord ou c'est la première fois qu'ils utilisent Discord, alors quand vous arrivez dans le salon règlement, tout en bas du salon règlement, quand vous lisez les dernières phrases, vous voyez qu'il faut cliquer sur un bouton pour pouvoir avoir tous les rôles du serveur. Du coup, quand vous rejoignez le serveur et vous ne savez pas comment faire, vous avez juste à cliquer sur ce bouton pour avoir les rôles. Deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que je recherche 5 personnes. Main tank, quelqu'un qui sait jouer vraiment tous les tanks, genre il peut jouer tous les tanks. Un main ADC, quelqu'un qui peut jouer les ADC, mais genre tous les ADC. Main combattant, quelqu'un qui peut jouer combattant et tous les combattants. Un main assassin, quelqu'un qui peut jouer vraiment tous les assassins. Alors, si vous êtes un de ces. Si vous correspondez à une de ces choses-là, pas à écrire en commentaire que ce que vous êtes, ce que vous jouez, et minimum. Mythique 200 points. Bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car c'est la vidéo pour les 1K d'abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous remercier énormément pour tout ce soutien que vous m'apportez, cette évolution que vous me donnez, ces commentaires évolutifs, toute cette joie que vous amenez, toute cette activité que vous amenez. Tout ça, je voulais vous en remercier qu'on arrive déjà jusqu'à 1000 abonnés. 1000 abonnés, c'est déjà énorme en fait, c'est déjà énorme. Et puis bon, bah, j'espère qu'on continuera à monter, que je pourrai vous préparer de meilleures vidéos, de meilleures explications, de meilleures vidéos, du meilleur contenu et plus de contenu. Peut-être des lives à un moment. J'espère que je pourrai vous faire plein de choses de prévues. De toute façon, il y a des choses qui sont prévues dans le futur, mais que je ne vais pas vous citer. Donc voilà. Là, vous allez avoir deux trucs. La première chose, c'est tout simplement une FAQ. Une FAQ qui sortira en vidéo la semaine prochaine. C'est-à-dire que les questions, vous aurez juste à me les poser dans les commentaires. Et puis, je vous répondrai tout ça dans une vidéo. Dans une prochaine vidéo qui arrivera avant la prochaine vidéo normale qui arrivera. Voilà. Et un deuxième truc qui se passera sur mon Discord, toutes les informations sont sur mon Discord, c'est un petit événement qui se passera entre nous tous. C'est-à-dire que vous devrez vous inscrire avec votre team. Et puis un jour, que je citerai sur le Discord quand je dirai toutes les règles et toutes les informations, un jour, vous pourrez vous affronter entre vous. C'est juste un petit moment d'amuser pour voir qui est le plus fort entre eux. Hein. Il y a pas de gain parce que tout simplement à cause du confinement, j'ai pas la possibilité de sortir et de me faire une petite carte iTunes ou une carte Google Play ou que vous puissiez mettre sur le jeu Mobile Legends ou ce que vous voulez sur mobile parce que vous avez droit à tout ce que vous voulez sur votre mobile. Mais du coup, un petit truc pour voir quelle est la team la plus forte. Hein. Si vous voulez tester votre team, tester des compos, voilà, vous pouvez vous affronter hein, tous ensemble, ça aide bien. Et toutes ces informations seront sur le Discord. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec des petits extraits de toutes mes vidéos qui sont passées depuis mon arrivée sur YouTube. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Ciao les potos. Bah, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu nommé Brawl Stars. Je pense que tout le monde connaît ce jeu venant de chez Supercell. Et bah salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Nommé Mobile Legends. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est du tout Mobile Legends, alors c'est un jeu comme League of Legends. Et pour ceux qui savent pas ce que c'est League of Legends, c'est un jeu de comment expliquer? T'es 3, non 3, 5 v5 et tu t'affrontes. T'as différents héros. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends et pour cette vidéo, je vais vous expliquer comment pouvoir gagner toutes vos parties. Du moins les trois quarts de vos parties. Parce qu'on ne peut pas exagérer, moi je perds quand même des parties. Hein. Même après, des fois c'est de la faute des autres. Mais quand même, avec les astuces que je vais vous donner, vous allez quand même réussir à gagner la plupart de vos parties. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale Mobile. Et oui, enfin, Fortnite Battle Royale Mobile. Pas me mettre des grosses balles. Il va construire, il construit pas? Non, il construit pas. Oula, oula. Oula, mon arme est rechargée là. Hop, tué. Bah, d'accord. C'était un noob. Bon, moi dans cet état, je suis en train de construire. Hein. Oh, il y a une Scar silencieuse. Je kiffe cette arme par contre. Hein. J'adore la Scar silencieuse. Cet endroit est très bizarre. Allons voir plus près ce qui se passe. Hein? C'est quoi ça? La porte est bloquée ici.
cet endroit est très très glauque, je trouve. Hein. Bon. Allez, on va quand même tourner notre vidéo ici. 1-1, on se positionne ici. Hop. Attends, on va plus se mettre comme ça. La caméra bien en face. Ça tourne. Je suis un peu dans la merde, un peu. Hein. On va pas se mentir, je vais pas trouver un autre vocabulaire. Je suis bien dans la merde. Puis je suis en train de manger en même temps. Vous voulez dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, bah je mange. Allez. Celui-là est déjà décodé. Je sais pas pourquoi je vais le voir en plus. Je sais pas, c'est dommage qu'on peut pas voir le décodeur là. Du coup, on s'y perd. Qu'est-ce qu'il fait lui? Wow! Non, 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 non! Oh, quel. Oh, toi, tu vas mourir. Ah. Allez, toi, c'est bon. Toi, je t'ai déjà. Et toi, la dernière? T'es où? Ok, t'es... je vais venir te chercher avec mon tapis roulant. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu. Un tout nouveau jeu et un tout nouveau mode, parce que déjà c'est un jeu avec plein de modes. C'est comme vous pouvez le voir si vous connaissez, parce qu'il est quand même connu ce jeu, c'est Roblox. Un jeu avec plusieurs types de jeux différents que tu crées toi-même. Ton compte à toi. Tout. Je suis prête pour une vengeance toute fraîche. Arrête ça. Ciao. Merci mes bottines, vous m'avez servi. Maintenant on sait qui est la meilleure sorcière. Je crois que si je me trompe pas, j'ai fait 14 kills et 9 kills à assistance. Je suis mort 0 fois. J'ai complètement tué la game. Dès le début, j'ai commencé à faire des kills et à un moment j'ai enchaîné les kills comme ça, dame. Pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui est un nouveau jeu sur ma chaîne et un nouveau jeu aussi sur mobile qui est sorti il y a pas longtemps, il y a quelques semaines au jour de je fais la vidéo, c'est Call of Duty Mobile. Alors je vais pas expliquer ce que c'est à part que c'est Call of Duty qui a été créé sur mobile. Salut à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, pour une nouvelle vidéo pardon, sur Mobile Legends, sur le Mobile Legends 2.0. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vanglory. Bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Raja. Alors Dragon Raja, je suppose que tout le monde connaît ce jeu. Et puis du coup j'ai testé le jeu et à la place de faire un gameplay, je préférais donner directement mon avis sur ce jeu là. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends. Aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau héros Atlas qui est sorti. Vous voulez savoir des choses sur Faramis? Vous voulez savoir comment il peut être cheaté? Vous voulez savoir comment je fais pour être aussi fort avec lui? On approche fortement des 1000 abonnés et je voulais vous en remercier qu'on approche